おはようございまおはす。ようございおはようごまざいす。おはようございまます。す。お元気ですか？明日買います。おやすみなさい。ああ、明日買います。私はルイズです。私はミシェルです。コーヒーがいかがですか？カナルです。To the East Coast Bay, oh, I'm in love with a land that loves the way that I do. Bienvenue sur Télécanard, la seule chaîne qui ne vous prend pas pour des coin-coin. I'm in love with a land that loves the way that I do. Ce mois-ci à la bibliothèque, c'est le mois du Japon. Et du coup, on va vous proposer plein d'ateliers à la bibliothèque. On commencera mercredi 11 avril avec un atelier pour fabriquer des carpes koi pour les enfants et pour les plus grands qui ont envie de participer. Donc mercredi 11 avril à 15h. Ensuite, le samedi 14, toujours à 15h, nous aurons un atelier bijoux origami pour tous. Et on enchaînera le samedi 21 avril à 15h aussi avec un atelier pour s'initier à l'art de la calligraphie. On vous proposera également ce mois-ci une exposition avec deux artistes qui viendront exposer leurs dessins sur le thème du Japon, on ne vous en dit pas plus, et qui viendront aussi nous redécorer les vitres de la bibliothèque. On vous attend hyper nombreux pour venir profiter de toutes ces belles activités. On n'a pas de cerisier dans le jardin, mais on essaiera de compenser par d'autres choses. Le samedi 7 avril de 15h à 17h30, ça sera également la fête de clôture du prix littéraire Lire dans le 20e. À cette occasion, on va bien sûr dépouiller pour voir tout ce qu'il y a comme vote dans cette jolie boîte. Il y aura également plein d'ateliers et puis on diffusera les booktubes qui ont été réalisés pour le concours de booktube. D'ailleurs, il est encore temps de jouer pour le concours. Comme tous les mois à la bibliothèque, ne manquez pas nos rendez-vous jeux de rôle. Ce mois-ci, notre soirée habituelle, ce sera le vendredi 20 avril à 19h pour les adultes. Et surprise, nous aurons le plaisir de recevoir le samedi 28 avril dans l'après-midi Joanne Sipion qui animera un atelier jeu de rôle autour de son jeu Sombre. Gambatte, oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu. Sayonara.